Bonjour et re-bienvenue pour la série de trucs et astuces sur l'étude de topologie. Alors, c'est ici qu'on va voir comment créer cette analyse. C'est très simple. On a une liste des tâches à droite. Alors, simplement suivre la liste du haut vers le bas. On a donc déjà les deux premières étapes de compléter. Alors, ça va bien. Prochaine étape, les déplacements imposés. Alors, parfait. On va donc fixer le bas des pattes comme ceci. Ensuite, on va appliquer une charge sur la face circulaire qui est ici. Alors, une charge de 7000 newtons, qui représente là, à peu près 1500 livres. Ensuite, on a l'étape des objectifs et des limites imposées. Notre objectif ici, ça va être de garder la même raideur, la même résistance au niveau de ma structure du siège, mais on aimerait réduire le poids de 90 %. Donc, on passerait là, ici là, du gros bloc d'extrusion de 86 kg à 8,6 kg, alors soit à peu près là, 20 livres, pour que ça devienne plus facile, bien sûr, à déplacer le siège. Il est également possible d'appliquer d'autres types d'objectifs et de limites imposées. Ensuite, les contrôles de fabrication. Alors, on va être en mesure d'appliquer des régions conservées. Par défaut, là, les entités qui sont fixées, les entités qui sont chargées, ont déjà là, des applications de régions conservées. Ça peut aussi être des contrôles d'épaisseur, une direction de démoulage, comme dans le cas d'une pièce qui serait moulée. Et on est en mesure de spécifier des plans de symétrie. C'est ce qu'on va faire ici. On va ajouter un contrôle de symétrie pour un quart de symétrie sur ce modèle et aller sélectionner les plans de référence. Voilà, comme ceci. Prochaine étape, on va créer le maillage. On va y aller avec un bon maillage assez fin, okay, afin de donner plus de contrôle à l'étude de topologie, là, afin de nous fournir là, une bonne conception optimale. Et la dernière étape, ça sera d'exécuter l'étude. Et de cette manière, bien, on sera en mesure d'obtenir les résultats de l'étude de topologie. Soyez donc des nôtres pour notre prochaine partie sur les trucs et astuces de l'étude de topologie avec les résultats.